Voilà, juste une petite vidéo, parce que regardez qui c'est qui est venu dans mon atelier aujourd'hui. Ma Fifi. Voilà, ça faisait longtemps, oups, que vous ne l'aviez pas vue. Donc j'ai dit, je vais faire une petite vidéo. Pour, comme ça, elle peut vous dire bonjour, si elle le veut. Et là, bon, je suis en train de faire du cartonnage, donc c'est pas facile avec elle. Ah, mémé ? Non. Oh oui. Donc, je profite qu'elle est là. Bon, elle est là parce que mon chouchou, donc pour celles qui ne savent pas qui c'est chouchou, c'est mon mari, est en train de faire le ménage en bas, est en train de nettoyer. Et oui, j'ai un bon mari, hein. Voilà. Et donc, comme elle aime bien piétiner dans l'eau quand on fait le ménage, donc elle est montée avec moi dans l'atelier pour ne pas faire crier son papa. Et du coup, ben moi, elle m'embête pour faire mon cartonnage. Et c'est pas facile de faire les traits sur mon carton avec elle. Voilà. Hein, ma mémère ? Oui. Oui. Oh là là. Et puis, ben, du coup, elle est contente parce qu'elle passe un petit peu de temps avec sa maman, toute seule. Parce que depuis qu'il n'y a pas chat à la maison... Ben, depuis qu'il n'y a pas chat à la maison, ben, elle fait son dodo dans la salle à manger. Elle ne veut plus faire dodo dans le salon, parce qu'au moins comme ça, elle est tranquille dans la salle à manger. Elle se met sur le meuble de la salle à manger. Et puis au moins là, elle est tranquille. C'est pas qu'elle n'aime pas Pacha, hein. Mais, bon. Mais Pacha, il est encore jeune, hein. Alors, il a eu 2 mois le 5, donc on est le 22, je crois, 22, 23, donc bah, il aura bientôt 3 mois maintenant, mais c'est encore un bébé, hein. Donc il gigote encore pas mal, il va encore gigoter pendant un bon moment, et bon, et puis mes mères, elle veut un peu sa tranquillité, donc elle aime bien être dans la salle à manger, cool, tranquille. Et quand Pacha vient l'embêter un petit peu trop, bah, elle siffle un peu. Voilà. Bon, pourtant, c'est une gentille. Hein, hein, t'es une gentille. Bon, tu l'aimes bien quand même, Pacha. Parce que quand il fait dodo, Pacha, elle va le voir, puis elle lui fait un petit bisou pendant qu'il dort. Hein, elle se dit, au moins là, pendant qu'il dort, je peux lui faire un bisou, il ne viendra pas m'embêter. Hein, ma grosse. Ouais. Là, t'as vu, maman, elle fait une vidéo. T'es contente, hein? Oh oui, t'es contente de faire la vidéo. Tu fais ta belle. Ouais. Donc voilà. C'est pour ça que je voulais faire une petite vidéo, ben, pour que vous la voyez. Parce que bon, je sais que certains d'entre vous avaient dit que Fifi vous manquait. Voilà. Donc j'ai dit, ben, aujourd'hui, c'est l'occasion. On va faire la vidéo avec Fifi. Hein? Elle m'accroche. Oh oui, elle veut toujours des câlins. Oh. Et maman, elle va faire comment pour faire ses cartons? Hein? Comment elle fait son cartonnage, maman? Donc voilà. Je vous donne un peu de nouvelles de moi d'hier. Du dentiste. Donc, il n'a rien pu faire. Voilà. Parce que j'ai un abcès. Par contre, vous voyez, je ne touche plus. Parce qu'il m'a mis, du coup, sous antibiotiques et sous antidouleurs. Donc, des antidouleurs assez costauds et des antibiotiques costauds. Donc, je le revois dans 15 jours. Donc, j'avais bien un abcès. Voilà. Et donc là, bah, pour l'instant, on va dire que je touche du singe, comme on dit. J'ai plus mal, donc c'est déjà pas mal. La douleur est partie pour l'instant. Et donc dans 15 jours, si l'abcès est parti, ben, il fait les extractions des dents.
Et comme ça, ben, je serai tranquille. Voilà. Mais enfin, là, j'ai plus la douleur. Ça fait du bien. Mais ça fait du bien. Je vous dis pas. Parce que 3 semaines à avoir mal, passer 3 semaines, ouais, plus de 3 semaines, c'était une horreur. Mais là, au moins, dès que je suis rentrée hier, j'ai pris tout de suite les cachets. Et au bout d'une heure, je me sentais déjà mieux. Je ne pourrais plus vous dire les noms, mais il m'a donné un bain de bouche, l'antibiotique et l'antidouleur. Oh, je me suis sentie au bout d'une heure déjà mieux. Et là, ce matin, nickel, j'ai pas mal du tout. J'ai pu brosser, peu de dents qui me restent, mais j'ai pu brosser normalement les dents qui me restent sans appréhension, sans avoir mal. Par contre, le bain de bouche qu'il m'a donné, il est costaud. Hein. J'ai regardé sur la composition, il y a 96% d'éthanol dedans. Wow, ça pique! Mais au moins, bon, ça fait du bien. Donc voilà. Donc je voulais vous donner quand même des petites nouvelles. Mais vous voyez, vous ne savez pas si j'allais faire une vidéo ou pas. Mais bon, voilà, j'en ai fait une. Bon, c'était surtout. Oh, qu'est-ce que tu as fait à ton oreille? Attends, t'es sale. Bon, maman, elle le fera après. C'était surtout pour vous montrer Fifi. Hein, parce que Fifi, ça faisait longtemps, vous ne l'aviez pas vue. Oh, je ne sais pas, elle a un truc à son oreille. Que se coller quelque part. Et oh, elle fait sa belle. Elle fait sa belle, les papattes en l'air. J'aime pas quand ils ont une saleté sur eux. Ouais, juste. Bon, je sais pas. Oh, puis les poils, ils sont. Donc, maman, elle te brosse tout à l'heure. Perds tes poils. Et comme ça, vous l'aurez vu. Elle m'accroche. Petite grosse. Et après, ben, je vais essayer de continuer les plans de mon cartonnage. Là, j'ai déjà fait, donc hier, j'ai préparé une boîte que je dois assembler maintenant. Là, j'attends le tissu, ben, je dois le recevoir aujourd'hui normalement pour faire la boîte qu'on m'a commandée. C'est un beau tissu, c'est un tissu Sandoro. Il est super beau. C'est bon, c'est moi qui l'avais choisi, j'ai demandé à la personne si ça lui plaisait. Donc elle adore le tissu, donc c'est super. Je vous montrerai. Que j'ai commandé sur eBay, sur la vendeuse que je commande toujours. Et mais il est vraiment super beau ce tissu, j'adore. Donc je vous le montrerai. Ah, j'ai toujours mon chat dans la gorge. Il est là, mais il est aussi dans ma gorge. Et donc je vous montrerai sur une prochaine vidéo. Dès que je le reçois, enfin si je le reçois aujourd'hui, bon, j'essaierai de vous refaire une petite vidéo en vitesse cet après-midi. Parce que là, bon, ce week-end, comme je vous ai dit, bon, en fin de compte, c'est mes petites filles qui viennent. Mon petit-fils n'a pas voulu. Il a dit non. Je vais chez l'autre mamie. Oh, mais c'est poil. Et donc, je vous ferai une vidéo en vitesse pour vous montrer le tissu. Si j'ai le temps, sinon je vous montrerai lundi ou mardi. Pareil, si j'ai le temps, parce que mardi, j'ai pris rendez-vous chez le docteur. Parce que j'ai. Ouais, je ne sais pas sur la. Alors j'ai vu sur les vidéos. Ouais, c'est là. J'ai vu sur les vidéos que j'avais une boule. Là. Vous voyez? Ici. Ah, oh, arrête! Et ça fait déjà sur plusieurs vidéos que je vois ça. Dans le miroir, je ne le vois pas tellement, mais je le vois sur les vidéos. Ici. Et donc bon, c'est pas, ça m'inquiète pas, mais bon, je voudrais pas que ça grossisse parce que ça ferait vraiment bizarre. De l'autre côté, j'ai rien, vous voyez, mais là, ouais, j'ai une boule, donc c'est mou, donc c'est pas grave, je pense pas. C'est un tout petit peu, c'est mou, mais c'est un tout petit peu dur quand on appuie vraiment.
Donc, je vais quand même aller voir le docteur. Bon, j'ai regardé sur Internet, mais sur Internet, hein, vaut mieux pas trop regarder, hein, parce que tout de suite, vous avez un cancer quand vous regardez sur Internet. Mais on parle surtout de petites boules de graisse. Donc, je pense que c'est ça. Mais bon, je préfère quand même montrer au docteur. Déjà, avec toutes les maladies que j'ai, bon, je ne vais pas en rajouter une. Hein. Mais donc, je vais juste le montrer pour savoir ce que c'est. Voilà. Parce que bon, c'est parce que je veux juste pas que ça grossisse, surtout dans plein visage. J'ai remarqué, ça fait quand même un petit moment que j'ai remarqué ça. Et je le vois vraiment sur les. Bah, quand je me regarde sur les vidéos. Voilà. Donc, je sais pas si vous l'aviez vu, mais bon. Donc, même mon mari l'avait pas vu. Je lui en ai parlé ce matin, je lui ai montré. Je lui ai montré sur la vidéo. Il me fait ah ouais. Donc, je préfère montrer quand même. Mais bon, je pense pas que ce soit. Non, j'en suis sûre, mais c'est rien de grave. Je pense juste que c'est un petit peu de graisse qui s'est mis là. On verra bien. Donc, vous inquiétez pas, j'ai rien, c'est pas grave. Mais bon, comme je dis, déjà avec toutes les maladies que j'ai, bon, je préfère quand même montrer. On sait jamais. Voilà. Ben, je vais essayer, parce que vous voyez, là. Non, attendez. Vous voyez, mon carton est là et mes mères est là. Donc, je vais essayer de finir de tracer ma boîte avec ma grosse. Hein, hein ma grosse. Et puis, ben, on se retrouve rapidement pour une nouvelle vidéo. Donc, oups, là, du coup, j'ai oublié. Vous voyez plus ma tête. Bon, si vous voulez. Je vais mettre toute petite. Ça y est, j'ai pété un câble ce matin. je vais ce midi monter la vidéo. Là, ce midi, j'ai mes petites filles. Je dois les garder. Je dois aller les chercher à l'école. Enfin, mes petites filles et mon petit garçon. Je vais les chercher à l'école. Donc, ils mangent à la maison. Donc, je ferai le montage de la vidéo ce midi ou en début d'après-midi. Pour que vous l'ayez ce soir. Et cet après-midi, bah, du coup, je continuerai la boîte. Donc là, c'est une boîte, un peu comme je fais d'habitude, une boîte livre, mais avec un tiroir. Voilà. Aïe, tu mords maman. voilà. Bah, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Sinon, rien de spécial. Il fait beau, il y a du soleil, ça y est, le printemps est là. J'espère qu'il va rester là. Et qu'est-ce qu'on fait, Fifi? On dit au revoir? Hein? Tu dis au revoir aux copines? Tu veux dire au revoir aux copines? Non? Tu fais des câlins? Tu dis pas au revoir? Allez, je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous fais des gros bisous. Fifi vous fait des gros câlins, des grosses léchouilles. Hein? Tu fais des léchouilles aux copines? Oui? Et je vous retrouve donc rapidement, bon, ce week-end, si mes petites filles veulent faire une vidéo. Sinon, on se retrouve en début de semaine, en espérant que j'aurai fini cette boîte, comme ça je pourrai vous la montrer. Sinon, ben, on verra. Hein? Ah oui, on verra. Oh oui. Mais oui. Oh oui, on se fait des bisous. Allez, à bientôt, gros bisous à toutes. Et si on ne se voit pas ce week-end, bon week-end. Bisous.